Bandi exam attaqué employé cap travaille dans la mairie, mes chers amis la famille. Si monsieur vive ensemble yo après bois calé, vite l'homme innocenté fin prend non fief li côté la police t'est arrivé, mettez mes sous diverses machines, yo tap douko en l'air et bien yo décidé pour attaquer un camion la mairie, mes chers amis, la famille qui qu'on habitué et bien ramasser fatra et puis al mettre le côté. Malheureusement, gagné divers élèves de divers n'a parlé spécialement de divers et bien agents de la mairie, de divers moun qui travaillent et bien dans la mairie de Port-au-Prince qui arrivent victimes en bas cartouche nèg exam en bas la ville là. Et bien selon explication, divers là dans yo arrivé ben nous c'est pas de tap tenter aller dans BRH pour aller derrière si ça au gain comme chouchoua si ça qui vini au de droit après 15 jours travail moi travail que au faire. Et bien, monsieur n'en vivent ensemble, yo décidé pour péter coup de balle derrière dos, et bien, moun si la yo. Je n'en gade sur comme nan, ça, c'est machine la mairie qui crible en bas cartouche, vite bon chauffeur, ligue impact balle. Là-dedans, vite, et bien, qui bon, et bien, chauffeur à droite, mais passager à droite là, ligue et bien, impact balle là-dedans. Condition vraiment difficile pour moun kap fréquenter, et bien, espace en bas la ville là côté ti monsieur exam si la yo pas décidé quitter aucun côté pour moun faire dégouder même pour passer al prendre dégouder dans BRH. Selon mes interventions divers moun mais kap travaille en mairie, c'est pas première fois y a recevoir menace mais plutôt c'est première fois yo attaque formelle yo attaque faite sur yo directement. Donc c'est compliqué mes chers amis la famille kounya là yo trouvé yo au niveau de et bien avenue Charles Soumer nan mais sans frontières pour y apprendre ce que Kayo nécessité. On a le fond gardé. Et nous avons dit, Charles Soumer qui est dans le bloc et toujours, et monsieur Lamène en Réla, nous sommes là. Il y a plusieurs employés qui prennent balle. Mais nous avons parlé là, il y a un sans frontières là, il y a plusieurs qui prennent balle. Mais balle, il y a un Voilà, en pile gâteau prend balle, mes chers amis, la famille. Pendant que tu as pris desservi une population, tu as pris déblayer et puis nettoyer une route et gagner la dedans tu as pris arriver BRH, mes chers amis, la famille. Selon l'information que nous jouons rapidement par téléphone, dans le coup de fil que nous faisons, et par rapport avec Moun Silayo qui travaille dans la mairie. Nous avons été obligés de venir faire le déplacement de nous connaître exactement qui ça va gagner et qui ça qui est dans la cause des situations sans poser. Nous avons demandé aux autorités qui concernent nous, nous avons par exemple, spécialement la police, qui doit accompagner nous dans l'arrière et nous avons un service dans l'arrière. Parce que nous sommes des gens qui toujours prennent soin pour nous porter l'arrière dans le presse. N'importe quel moment, nous avons demandé la police d'accompagner nous dans ce sens. Qui est ça? Bon, exactement, il était là 11h30 par minuit. Le dernier mois, nous avons mairie pour prescrire en balle. Je tiens à encore nous jouer une fois, car pendant 6 mois, nous avons plusieurs victimes. Bon, nous ne pouvons pas décourager dans le travail à plein air. Parce que nous sommes tous déjà. Là, il y a un changement politique, là, il y a un changement gouvernement, mais toujours une bataille politique. Qui s'allègue qui toujours besoin de poste, c'est là pour bataille pour jeune poste. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas décourager avec ça. Mais nous ne pouvons pas décourager.
seul ça nous connaît, nous avons un magistrat qui est responsable. C'est le magistrat qui est responsable. Il n'est pas jamais pas pour nous, il n'est pas jamais pas respecter l'engagement là avec nous, mais il est toujours accompagné nous dans ce sens. Alors, déclaration, est-ce que ça t'avait dit ou vous me cachez derrière ça? Parce que la bataille politique, exactement. Voilà, donc ça crive, son bataille politique selon quelques employés. Donc, le gouvernement a changé. Il y a Gary Koni qui vient de premier ministre pour Kounia. Et bien, selon M. Sa, employé la mairie ça, et bien, pour lui-même, il estime que ça qui est là, sous bataille politique, et dans la bataille politique là, principale victime, non, c'est exactement moun kap desserve population, moun ki pi pre population. Donc, dans la bataille pour poste, moun kap victime, non, c'est moun ki pi bayou. Parce que bataille politique, nous ne pouvons pas indexer nous des pièces pour nous. Quel que soit le monde déjà, quel que soit le monde dans le secteur politique, dans le pays, là, nous toujours mérité pour nous prêts pour nous tout service. Nous là pour nous, quel que soit le monde dans le service lié, nous ne pouvons pas gagner des politiques, nous ne pouvons pas gagner idéologie politique. Mais pourquoi docteur, vous continuez? Bon, jusqu'à présent, nous sommes là, nous avons une population dans sa frontière, dans l'administration. Qui nous complète mon ça? C'est Madame Goldman qui est responsable personnel. Nous avons Billy qui est assistant chef service. Nous avons Pierre Jacques qui est chauffeur nous dans la voie de Beauvais. Voilà, donc Pierre Richard est chauffeur. J'aime te dire tout à l'heure, non vite bon chauffeur, il y a un impact balle. Donc, il est rentré directement dans la machine. Nan, et bien, il est tombé. Et bien, dans le côté de l'estomac, et bien, Pierre Richard, lui-même qui est chauffeur, mes chers amis, la famille, et bien, machine ça, lui-même qui est habitué à faire service, il a ramassé Fatra dans la rue. Donc, c'est ça, information. Yé. Donc, il a exam, et bien, envahi coup de balle sous machine, la mairie, dans le pays d'Haïti. Et bien, Mounsi Layo, vraiment qui estime que il passe. Pour il va protéger assez en bas mener l'examen. Et cause politique qui fait et a menacé l'emploi émérien, on va gagner des libres et attaque ça au sorti. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas fait personnalité, mais nous connaissons que tout ça. Depuis qu'il change pas de gouvernement, il y a tout politique ça, il y a attaque politique qui existe. Alors, qui s'appelle peut-être que tu as pas appelé ou elle et les conditions qui sont dans cette encore qui fait ça ou ça fait ça là dans tout. Avec ça, un personnage qui a gâché le bataille politique qui est responsable pour lutter pour le président. Nous avons regardé tout. Nous-mêmes, tout, sommes qui est responsable. Mais ça, pour que je me dise, nous sommes en train de le président. Est-ce que vous avez fait le bataille politique ça tout? C'est arrivé, vous créez pour ça tout. Est-ce que la police va habiter ça? Est-ce que la police va habiter ça? Mais nous-mêmes, nous avons un coach qui est responsable. Qui est responsable, qui compte tous les balayés, qui exige malgré. Nous ne pouvons pas taxer dans le pays. Qui compte qui a payé nos taxes? Pas de monde qui paye nos taxes, pas de monde qui paye nos impôts, Alors nous parlons sur plusieurs minutes là, depuis que l'incident est arrivé. Jusqu'à présent, le magistrat a marqué présence là. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en courant qui fait le courant là? C'est pour ça que le magistrat a courant. À la suite, le magistrat a communiqué, le magistrat a en route là, même s'il y a là, pour le courant là. Magistrat déjà en route. La fonction pour arriver à l'hôpital, la vin assister, mais moun ki victime yo, mes chers amis, la famille, donc c'est magistrat Luxon Janvier, et bien lui-même qui est responsable. Qui sont avec les gens d'attaque ça ou qui n'a pas tout dit là? Bon, n'a pas dit qui a fait politique ça, on n'a pas fait de l'intimidation ça, on fait collaboration plutôt, c'est collaboration qui sauve le pays. Le gens n'a fait intimidation ça, c'est mettre le pays en bas. Si on a un jeune garçon qui a fait la police, accompagné de notre travail, laisse ça payer à côté ou fruit. Mais l'on fait ça, c'est de toi que tu payes. Ou à bientôt la jeunesse pour qui parle. Qui parle plus pressoir de toi. Voilà. Mes machines, la mairie, et mes chers amis, la famille, et puis les criblés en bas cartouche, je vous appelle ici aujourd'hui. Non période, côté gagné, et bien, force multinationale là. T'as supposé rentrer dans le pays d'Haïti depuis 23 à 24 mai 2024. Je dis à ces 29 mai 2024. Yo poko jam pointe tête yo. Au contraire, yo ta ebe préféré vini nan mi mois de juin. Selon information que nous gagnons et pas bon ici, de pays Kenya les mêmes qui continue à râler derrière, mais à rakakol par rapport avec obligation que yo ta pren ou bien yo ta gagné par rapport à ça qui gagne dans le pays d'Haïti. Et déjà, l'ONU les mêmes a déjà accepté que déploiement force. Li fait le pays d'Haïti surtout après assassinat de et bien américain qui c'est David Lord avec et bien Nathalie Lord dans l'ison dans commune Kouade Bouquet et bien il t'a demandé rapidement pour force ça li intervenir dans pays d'Haïti jusqu'à présent gien signature qui pour joindre jeune toujours même doulia gien matériel qui poko et bien jusqu'à présent fin acheté non pas monsieur Jean-Luc Kensley nous te content partage avec nous.
nous information si la yon a croisé non prochaine vidéo non pas longtemps. Gary Conny, ancien premier ministre sous Joseph Michel Martelly en 2011. Gary Conny, côté citoyen ça sorti. Qui est lié? Pour qui ça c'est lié? Jodi an, c'est 29 mai 2024. Dossier au chaud dans l'actualité politique corrompu, volo, criminel, gang qui n'en paye actuellement là. Couleuvre présidentielle, 7 traites plus 2 traites fait 9 traites là. Yo décidé définitivement pour yo fini tête yo sous scène politique là. On va l'expliquer. Mais comme moi toujours dis, en Haïti depuis en 1990-91, pas de politique qui fait en Haïti. Mais on commence à établir système non, c'est après départ Jean-Claude Duvalier en 1986. Pas de politique qui fait. C'est la haine qui exprimé, c'est volo qui pique criminel là. Dans qui peut passer hier, c'est lui qui a vu un chef en Haïti. Monde bien, système ça pas fait pour. Et toute façon qu'on vire Haïtien, ou après système nan même, pas vle des gens de bien. Li pas vle nouvelle tête, li pas vle moun qui le pas formé, li pas vle moun qui le pas gen contrôle. C'est criminel, c'est vagabond, c'est voyou, c'est volé. Système nan monte comme ça. Actuellement, le système nan qui a 38 l'année d'existence. Et c'est 38 l'année à succès. Gol tout partout. Par contre, combien a mené à zéro sous nous-mêmes comme peuple? Hier, nous jouons en pile zami. Alors, hier soir, en pile zami a voyé message pour nous. Tout pas si par là. Gary Conny parle. Tout ceci, tout cela. Et. M'gade. M'bretam. Pour mal connaître qui est ce qui Gary Conny, parce que je ne suis pas contre Gary Conny. Non. 2011, justement, non, et tout le monde est dans d'elle. Premier ministre pays d'Haïti, nous avons dans d'elle tout. Je ne pas contre qui est ce qui Gary Conny. Mais il y a soit pour temps, pour mal faire une recherche sur Gary Conny. Bon, je commence par mettre monsieur sous écran. Voilà, non. T'as le. Ok. Voilà. Bon, commencer à mettre monsieur sous écran. Et Gary Conny pas contre monsieur du tout. Maintenant, regardez pour nous. Monsieur a un job qui est extrêmement dans les Nations Unies depuis un bon bout de temps. Et son type qui forme tout. M'a pas contre monsieur. Mais m'a dit nous même qui dans la diaspora aujourd'hui, c'est une raison pour que nous préparions davantage. Faut nous comprendre dans quel niveau que nèg avec femme qui fait politique en Haïti et oligarque corrompu yo gon problème avec haïtien qui gen l'amour pour Haïti, haïtien qui c'est haïtiano-américain, haïtien canadien, haïtien français qui gen l'amour pour Haïti a qui envie venir rentrer dans politique en Haïti. Est-ce que nous pas toujours wè, yo meton balise sous toute femme pour ne pas rentrer? Oui. C'est parce que tout simplement, yo senti une volonté manifeste pour que vous venez faire des bagailles réelles en Haïti. Eh bien, gens de Mounsa, yo n'ont pas besoin yo dans les affaires politiques en Haïti. Est-ce que nous pas toujours, ouais, gen des gros palto, gros babines, gros collettes, gros ventes, côté yon sorti dans la diaspora, qui ça a fait? Y a le premier ministre en Haïti. Mais maintenant, est-ce que c'est Mounsa pour me critiquer? Non. Moi-même, pas critiquer Gary Conny. Je ne suis pas contre Gary Conny. Je m'a dit ça très bien. Pas ou ça ou là pour tout agir contre lui. Mais aller chercher côté bagay la sortie et pour apprendre exactement dans qui sont comme peuple. Moi-même, Gary Conny, ça va intéresser même dans le rêve. Je ne suis pas contre monsieur ni un petit ni un petit. Mais sauf que ça qui est important pour nous, son preuve à clair qui montrait que depuis un homme ou pas travaille en faveur d'Haïti, alors pas travaille en faveur d'Haïti et en faveur de peuple haïtien. Et mais c'est ou même comme meilleur profil qui pas déranger les oligarques corrompus et la classe politique traditionnelle haïtienne. Jodi, c'est 29 mai 2024.
Pas oublier, nous en direct, attendez bien, oui, nous ensemble avec vous sur plateforme YouTube, Maman Pemba, plateforme Paye Poté, plateforme qui Paper Shailan, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Nous avec Zami, ok, ça vite pas ou, Berto, nèg en dehors petit paysan. Est-ce que c'est Gary Koni qui est criminel là? Pour moi, non. Gary Koni n'est pas intéressé même dans le rêve. Mais Gary Koni, lui montre à clair et que la classe politique traditionnelle haïtienne, depuis un homme pas pensé avec douleur, misère, calamité, souffrance, peuple haïtien, c'est ou même comme profil qui est capable de venir dirigeant pays ça. Maintenant, tout le monde dit que Gary Koni, c'est jouet blanc. Mes amis, si nous, si m'da dit nous, Gary Koni pas ta jouet blanc, qu'on est franchement, m'a pas même besoin là pour m'vin parler. Non, m'a pas même besoin de pour ça m'da vin dit nous là. Gary Koni, nous fouye zone Kalalou, monsieur c'est proche, yon ancien président américain. Ah oui, c'est proche. Et c'est une raison qui cause ou a gagné Gary Koni en 2011 sous Matéli. C'était sollicitation, c'était de bagaille comme ça. Mais m'a dit nous ça très bien. C'est pas ça qui est intéressant pour moi toujours. Ça qui est intéressant pour moi, c'est moun qui soit disant leader politique là avec journaliste traditionnel là qui faut qu'on ait que leader politique là lui-même, li gon décision qu'il a prend en faveur pays là, qui côté, qui leur qui bon. M'a dit nous ça très bien. Une raison qui cause moi gros position qui claire. Dans ça qui gen pour avec ingérence gros pays dans affaires politiques internes pays d'Haïti une proposition qui claire on dit nous que critiquer pays a pas mis rien pour moi parce qu'il pas porter résultat pour moi ça qui porter résultat pour moi c'est côté me viser qui c'est démantèlement total capital dégapissement total capital la classe politique traditionnelle haïtien qui c'est bois exécutant ou bien bois cap exécuter tout plan toute manœuvre cap détruit Haïti. Moi songe m'était partager tout ça ensemble avec nous. Secrétaire d'État américain qui c'est monsieur Anthony Blinken. Monsieur t'a dit là un tweet pendant processus bagaille carré comme ça. Monsieur font tweet pour le dire. C'est seul peuple haïtien qui capable. Et puis là, le plus loin, oui, c'est seul peuple haïtien qui t'a doué déterminer propre avenir li. Pour l'avancer. Il dit personne, l'autre monde, pas t'a doué fel. N'a parlé en ta, en ta, en ta. Mais c'est déclaration, yon tweet, nan yon tweet que yon diplomate chevronné, yon madre politique qui relè Anthony Blinken fait. N'a pas comprendre, qui te m'avance toujours. Monsieur dit clairement, mais nous tous qui là, les États-Unis, CARICOM, avec l'autre partenaire, yo, nous capables d'aider. Nous capables d'aider. M'a dit nous jusqu'à la preuve du contraire. Abgen de blanc, oui, li existe. Gen de blanc, qui toujours rete dans bagouaon pour faire pression. Pour imposer choix qui n'a avantage. Mais m'a dit ça très bien. Les oligarques corrompus qui en Haïti, tellement fait l'argent avec facilité et en quantité, yo gen l'argent pour influencer toute qualité de décision qu'a prend en Haïti. Et m'a dit ça jodi a, soutenant fait noue pour mettre ou dans un petit cas lumière. Bon, m'avance. Oligarques corrompus n'a pas jamais joué perdu. Puis qu'on couke oligarque corrompu en prend, jusqu'à maintenant, la brete le pas à camper sous pied, c'est assassinat crapuleux qui fait, que yon fait sous président Jovenel Moïse, que yon pas pensé après l'assassinat de président ça, et que yon tape en difficulté, j'en en difficulté. Sans que la justice haïtienne pas mette mandat de yon pour arrêter yon, sans que la police nationale d'Haïti pas chercher yon, sans que pas gon moun ki pral monter al vin chercher yo. Est-ce que boulos parit de yo?
Oui, boulot serait d'ailleurs, parce que nous-mêmes dans les médias en ligne, nous disons que le jour où nous avons campé pour ne pas parler de dossier assassinat de Jovenel Moïse, il faut que nous tout disparaître dans le monde là. Ça veut dire que nous disparaître catégoriquement, nous pas exister même. Parce que nous n'avons pas le droit d'assassiner le président. Dans les affaires politiques, tout le monde connaissait son jet d'intérêt. Mais en Haïti, quand il s'agit d'intérêt, c'est intérêt personnel. Ce n'est pas intérêt collectif là, non? C'est intérêt de chaque petit vagabond, chaque petit volet. Mais je dis nous que l'on a fait une bataille politique contre un gouvernement. Ou est-ce que yon façon, comme en Haïti, c'est pratique à manifestation, fait quantité de manifestation capable, river à travers les élections, je nous compromis entre nous pour nous jeter le gouvernement ça. Nous pas faire, nous décider pour nous rentrer dans la chambre du président de la République. Pour nous river, pour nous foutre 12 balles. Nous foutre 3 balles dans la tête, 9 balles dans le cœur. Et puis nous prenons masse nous encore. Nous foutre craser sol en poudre. Nous démolir, nous décapiter, nous dépaloter. Et puis nous penser que moi-même comme être humain, comme jeune garçon haïtien, comme petit paysan, nous penser que nous allons cautionner ça. Nous penser que nous allons tolérer. Nous pensons que nous allons vivre avec elle. Nous pensons que nous allons venir des micro ça, devant caméra ça, pour me camper, pour me faire semblant, comme quoi que le pays m'a bien marché après assassinat président. Sous qui base? Quel que soit je sais, ou doit être cohérent. Moi-même, moi bataille dans la façon que ma bataille là. Avec transparence. On ne peut pas droit pas passer devant moi. Je n'ai pas besoin d'amis. De gros seuls amis. Que m'te ouè kap fè politique, pas même pas contre politique, mais pas politique, mais même, c'est droit obi. Si on t'a parlé de démocrate ou bien républicain dans sa fè politique Haïti, konne mou t'a tout dit m'se républicain en clé. Parce que m'a pas passé ma quatre chemin pour m'fanou en deux. M'bra l'fanou m'abdou m'fanou. M'ba n'en savou m'abdou m'ba n'en savou. Même pas n'en passé jeu diplomatie, stratégiquement parlant, passé pas quatre chemin. Non! N'a pralé sou ou, nou djou mou chou bay trop de soit de si de m'a privé sou. N'a privé sou ou, bi ban pays yon ou ban pays ya. Et comme ça, même pas de parole et puis ceci, c'est non. Haïti, si on dit démocrate, tel bagage, pas un problème. C'est stratégie, c'est formule démocrate. Mais le formule républicaine, c'est comme ça, yo définit directement, droit au but et véridiquement parlant. Et bien, moi-même, je connais que je suis républicain dans le pays d'Haïti. Parce que je ne pas passer quatre chemins. Je ne pas parler avec langue des bois. On va dire, on avance. Là, nous arrivons, nous niveau côté que nous assassinons un chef d'État. C'est-à-dire que vous coupez tout pont avec tout le monde. Si vous faites un mal dans le corps de l'État, dans le détournon, l'agent projet, comme si vous coupez pont avec tout le monde de bien qui te gagne un chef d'État. Parce que ou c'est criminel, si vous arrivez ou pas peur que non pralité dans l'histoire, que ça pralité dans l'histoire paysan à jamais, assassinat yon chef d'État en fonction qui côté en de la Kaili, mon chef pas bon menti, ou gen assez de graines dans le boudou et mon passeport dans l'ensemble avou. Et tout nèg qui pas de bien, mette tête ensemble pour un seul projet qui c'est assassinat président Jovenel Moïse. Comment, man? Rete, comme si on nous si moi comme nèg en dehors, comme petit paysan, je vais le camper, m'accepter, me tolérer je bagay sa yo, même dans rêve. Pas chan moi ça. Nous avons fait tout bagay net, nous pas faire mon merde parce que moi comprenne nous, moi comment nous fonctionner, et ben moi, je connais qui j'ai pour me battre avec nous. Madjou, Dimitri Vop Miami, dans Brickell Avenue, downtown Miami. Boula sous l'école, toujours dans Floride là. Mateli dans Miami. Ok? M'kone yo là. Son seul. Et puis yon monte commando gang yo, parce que même j'en fais l'Haïti ya, monte gang Galil, monte 4x4, monte gang Tessé là, vin touye moun, monte réseau gang nous dans les États-Unis tout, pour marcher touye haïtien, kap critique nous comme volé. Dimitri Vop, comment monte réseau kidnapper dans Miami, Florida, pour al touye haïtien, kap critique comme volé. Que Mateli monte réseau kidnapper tout, pour al touye haïtien, kap critique comme volé. Comme c'est action nous ça, comme c'est pratique nous ça depuis longtemps. Ben si vol au côté nous, ben terroriste côté nous. Ok? Mais moi, je regrette infiniment, ouais, ça, aux États-Unis, pas foutre prendre au pognon sous place publique. Qui dirait avec ça, la Kaili? Ben volé, ben moun sale, ben criminel notoire. Eh bien, bon, avancez. Bref, pas l'empile qui change aujourd'hui, hein? Tout dit nous, émission démarrée comme ça. Et pas oublier, comme on a dit Philippe parlait hier, pour tous les amis qui t'ont demandé pour moi, yo. Je vais suivre le live là, mais je suis occupé en pile. Là, ça, c'est le 3 heures de temps. Ok? En 3 heures de temps, m'occuper en côté. Et je ne suis pas capable. Jimmy t'a invité moi vraiment, mais je ne suis pas capable présent. Je suis 3 heures de temps qui est obligatoire pour que je me baille en côté. Je suis 3 heures de temps pour me baille en côté. Il faut me bailler. Eh bien, dans le ça, je suis obligé de souquer comme moi pour que
et m'tendez dans Tikas, même pas qu'à monter, même te saluer non. Encore une fois, m'a réitéré position claire avant que moi rentre en dans gros bout de tonton émission ça. Moi-même personnellement m'étais attaché avec idéologie commandant Guy Philippe là. M'étais attaché avec l'idée révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là. Gen en pile progression qui fait, progrès qui fait. Nous progresser en pile, nous avancer peut-être ou même bon résultat concret qu'on pas ouais parce que naturellement ou t'as supposé walk up machine dans pays d'Haïti. Effectivement, mais m'a dit comme ça que n'a bataille contre un système qui établi depuis plus passé 200 l'année. Qui pousse racine, qui pousse conne. L'œil au fin raché Jean-Claude Duvalier sous pouvoir ouvrir l'allée en 1986. Yo établi quoi dans pays directement, côté que yo dit pape jambe gen moun de bien dans tête pays, pape jambe gen moun ka pense avec peuple, qui gen popularité peuple. Yo fout Aristide coup d'état en 1991. Yo dit que yo pape quitte ou sous pouvoir parce que ou gen trop légitimité. Nous pral fou fonctionner dans coquet parce que nous pral fonctionner dans compromis, dans entente politique à partir de maintenant. Le ça pas pense avec peuple encore parce que c'est un secteur qui gen poids, qui te voye aller, qui faut négocier, mais après c'est yo qui met au chef de fait ou pas penser pour peuple. C'est à partir de maintenant pays ça a commencé dérailler complètement. Pays a déraillé, a fait bac complètement, mais c'est des hommes et des femmes qui dans l'oligarchie corrompue, hein, qui dans politique corrompue criminelle assassin, hein, qui a fait tout mouvement ça yo. Aristide, première version, c'est un pire bon président qu'on a gagné dans le pays d'Haïti. Li kon douleur, li kon grand goût, li kon misère, li kon calamité, li kon importance éducation, ok? Li kon si, li sortent de l'église, ça veut dire que goun nek, goun bagay là, que peuple a bénéficié. Mais sauf que Aristide, monsieur prend un piège. Monsieur laisse ou prendre un piège. Des moun qui te frappé monsieur politiquement à travers coup d'État, lui vient faire monsieur criminel automatique parce qu'Aristide est un bougeon criminel qui t'a bouillé, qui t'a bougeon en dedans. Monsieur vient assassiner, on ne peut plus. Aristide ou parle ou parle en favelle ou mourir. Ou être dans le quartier de la caillou, ou comme si ou séparé de plats manger par les gens, comme si on pas de la valeur spatiale, ou depuis de, que ce n'est pas président de Temotofel, ou à mourir, ou bien venir répondre à une question. Ou bien venir dire que tu as fait sous nos présidents. Parce que Aristide a décidé de faire un passer comme un roi dictateur sauvage en deux pays. Quelque chose qu'on a fait, pour qu'il y ait 10 personnes derrière nous, même si vous n'avez pas de président, vous n'avez pas la valeur, il faut que vous disiez que c'est le président qui faut faire. C'est ça que tu as fait avec Aristide. Et la tuer à la seconde. Yo pa ka poser la question, partisan la manger moun, y a touye moun, gang a touye moun, yo pa ka arrêter yo. C'était ça que t'es Aristide là. OK? Et mais naturellement, m'a dit nous que Aristide qui vient comme vagabond, comme vicieux, comme voleur, c'est Aristide l'a écrasé la Médaïti en 1994. OK? 1994, Aristide prend décision pour le débarquer dans pays avec paquet plus de 20 000 Marines américains. Vous comprenez, président et Bill Clinton Bali, ok? Et bien, il débarque dans le pays, et puis il fait ça, ok, pour faire. Et puis après ça, Haïti a effondré. A effondré. Aristide vient voler en pile. La priche, la voler, la priche. Comme si, et puis Haïti a disparu. Mais je dis, mais Haïti. Et pour parler ça en Haïti, ou a mouru. Il y a tout yo par tous les moyens. Il y a tout yo, n'importe qui j'a tout yo. Parce que, juge la qui t'a habilité pour le temps de dossier pour le préparer, dossier assassinat, pour le faire diversion. Commissaire gouvernement a obtenu pour l'alphon vieux constat avec juge de paix pour faire diversion. La police a obtenu une mesure de CPJ, ou oui, quand tu te comprends, pour faire diversion. T'as passé mon mouri ou mouri net. Ça cause moi dit, moun t'en koum pour me tourner à Haïti, conseil de moun, bon Dieu dans le ciel là qu'on est fort qu'il va exister. Le ciel, le Saint-Esprit, toutes les forces de la nature justement, qu'on est que naturellement, il y a des moun qui naturellement doivent pour aller. Suspendre, faire respirer. Suspendre, quitter respirer. Faire suspendre, respirer. Parce que si ça a respiré comme l'élan, l'ipolluer espace que a évolué. Entourage, yo, comme si pas de monde de bien. Ça veut dire que y a des mondes naturellement, bon Dieu dans le ciel là, bon Dieu tout pouvoir, bon Dieu tout puissant, doit faire commencer à faire stroke. Fait accident, rale zam, fond tête yo, fait madame yo foutre poison, fait zami foutre poison, fait pété fiel yo, fait fusion dans la rue. Comme si, comme ça, yon a fusé l'autre. Bon Dieu doit faire un bagage pété entre eux, les coquins, criminels, assassins, gangs domestiques, et puis pour être capable d'organiser là pour détruire une l'autre. Laisse à nous-mêmes. Ça criminel fait criminel, j'aime Dieu toujours dire, les hommes moun de bien avari. OK? Eh bien, bon, moi dis nous pays,
qui ça bagay la yé? Messieurs, dames, qui lèvent cette tête, yo, alors tout d'abord, quittez-moi profiter et saluer nous. Je vous dis bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que nous avec nous. Sous plateforme Panou, qui c'est plateforme YouTube, Maman Pemba, plateforme Pay pour T1, plateforme qui pape Chaylan, plateforme qui a dit Jenny, plateforme qui croit la vérité, plateforme qui croit la bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec lutte que nous entamons là. Sous plateforme ça depuis plus passé 33 mois et que nous sommes capables de libérer le pays ça. N'est-ce pas tué Matt Doval, pas j'oublier ça. N'est-ce pas tué Antoine Duclair, pas j'oublier ça. N'est-ce pas tué pile monde de bien dans Port-au-Prince, pas j'oublier ça. N'est-ce pas assassiné Éric Jean-Baptiste, pas j'oublier ça. N'est-ce pas tué Daniel Kouk-Poutier-Koukoua, président Jovenel Moïse, pas j'oublier ça, parce que ça yo extrêmement important. L'onom touye, Éric Jean-Baptiste, oh monsieur, le ciel, le Saint-Esprit, l'autre tué Éric Jean-Baptiste, ou tout yon haïtien conséquent, ou tout yon nationaliste, ou tout yon petit pays, ou tout yon patriote conséquent. Et même Sami Éric Jean-Baptiste, même nèg qui te zan ensemble avec elle, même mon compère, pas cap campé pour dire que fok lumière faite dans quatre dossiers. Parce que système non, depuis le manjou, yon manjou net. Éric Jean-Baptiste, m'bal parler pour garçon. Petit tout avatande, parce que yon assassino mal, ou ta prenne pays en service. Mouel en pile côté, en pile pays, en voyant pile bagay ban mouen, ou te kre en pile job, ou ta investi dans pays ya. Mais Eric, Eric ou te trop droite pour neg sa yo qui nan système nan. Nan négociation politique monte passe par là, Ariel senti que le pas confortable avou. Classe politique senti que le pas confortable ensemble avou. Oligarque corrompu qui apprend que ou gen plus de 500 millions de dollars américains, ça veut dire que ou sont capable cap grandir économiquement, qui gen l'argent. De fait, ou ap monte entreprise dans pays, oligarque corrompu dit que ou pas carré dans mitan yo. Et bien que quelle la vérité établie parce que assassinat est pas clair, il pas clair, il pas clair. N'a va tourner pour tourner sur ça. Et pays ça, dis nous ça. Ego cause oui, ego cause. Alors permettez-moi et entendez, on faut une connaissance pour monde qui pas te connaît. Gars il connaît même j'aime pas connaître. On prend temps hier soir pour m'entendre, un paquet extrait côté qu'il parlait, tout côté. Et ben je me tombe sur ça que radio et télévision Caraïbe fait déplacement, il est allé à Bruxelles. Bruxelles et ben PM et ça était là. On nous entendait déclaration et Gary Koni pour nous pour vraiment faire connaissance avec moun sa que coulev 7 traite plus 2 traite fait 9 traite volé corrompu criminel assassin je n'en compromis c'est lui même c'est Gary Koni il choisi Gary Koni qui pas Haïti depuis en 2011 pas vrai depuis 2011 mais c'est pas Haïti 2011 2012 mais c'est pas Haïti et ben c'est lui même moi environ 12 ans après qu'il n'a choisi comme premier ministre, sous qui base, sous qui prétexte, qui profil, qui critère, mais sauf que en Haïti, on va demander qui critère tout, qui n'est que ça ou là. En avancé, Gary Koni à l'appareil, peuple haïtien. Entendez avec un pile intérêt, parce que nous avons des points qui extrêmement qui nous va le faire. Pas oublier, ambassade américaine parler, comme on a Philippe parler, il y a un pile cause qui parler, ou de gagner toute information. Mais pour gagner, il faut qu'on rete dans l'émission, pendant qu'on partage, ou qu'on quitte ton commentaire, qui n'a sens ou, qui n'a filé ou, commentaire selon opinion, sans penser, quitte ton commentaire là. Parce que c'est très intéressant. En nous tade, Gary Koni, dans le micro, en correspondant Radio et Télévision Caraïbe. Poser la question, ensemble avec quelques autres camarades journalistes, sur qui ça l'a fait là, et sur qui gens li a vivre des situations paysans et jeudi. Donc nous invitons à suivre le moment ça nous va passer avec l'ancien premier ministre Gary Koni. Dans le Père de développement qui soit fait là. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on continue à bailler le président Sirleaf, qui est président Libéria en appui. Et Union africaine nomme président Sirleaf, président de ton comité spécial de 10 présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sous question agenda post-2015. Et dans le cadre de ça, il vient à lui-même, donc moi, je viens accompagner, moi, je viens là tout. Dans le cadre de SDS, UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute et Columbia, pour nous aider tout. Dans le cadre de définition, ça n'a pris l'agenda post-2015. On a rappelé tout le monde qu'en l'an 2000, pays ont entendu son agenda qui ont été les objectifs du millénaire. Objectifs du millénaire a expiré en 2015 et je dis à un effort international pour que le monde entier entende sous qui cadre
qui pourra remplacer l'objectif du millénaire. Donc, qui nouvelles objectifs, qui nouveaux objectifs que le monde pourra le fixer, pourra le bailler tête-li. Et c'est un petit peu discussion ça que l'Union européenne a focus là aujourd'hui. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Donc, une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et il y a un grand changement qui a bien dans le prochain cadre-là, c'est qu'on va focus toutefois ça sur des créations de richesses, sur création d'emplois, sur croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté dans le niveau qu'on a aimé réduire là, si on n'a pas un niveau de croissance, si on n'a pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans les pays africains, ils ont entendu, et ils travaillent ensemble pour une position commune. Et position commune, ça, essentiellement, a axé sur 4 points importants que l'Afrique voulait ouais, dans le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas qu'à continuer à faire s'il n'est pas fait de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas fait avec beaucoup moins de pression sous et environnement global là qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est ensemble de discussions que nous vivons là aujourd'hui hein, pour nous essayer d'arriver à un processus ça, très différent. De ça qui a passé là, qu'on y a par rapport à ça qui était passé en 2000. En 2000, son petit groupe qui était réuni et qui définit un agenda et puis ensuite le monde adopté. Fois ça, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque 2 ans pour définir ensemble, pour tout le monde participer. Alors, Babli, et là, l'interview sur Abgadé là, il y a environ 11 l'année. D'accord? Il y a environ 11 ans, c'était normalement en 2000. 2000 est-ce que 11 plus que 11 ans même n'est pas 13 ans les grands pile temps n'est pas 13 ans c'est ça les grands pile temps plus alors plus que 10 ans on nous mettait le comme ça plus que 10 ans en définition cadre qui pourra définir partenariat global en matière de développement durable agenda c'était Nations Unies t'as pas presque demandé qui ça l'Europe en fait qui ça l'Europe a fait la question d'autant que discours il pas forcément même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 là, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens secrétaires généraux là abordent des questions qui permettent que une situation soit faite comme ça? Une question très intéressante. Nations Unies by Tetley ont série d'instruments et un processus pour être capable de définir l'agenda post 2015 là. Et les créer, ça leur est un open working group, un groupe de travail qui au moment où on parle a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, l'État membre pourra le venir, pourra le voter sur l'agenda ça d'ici la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, voulaient assurer que eux-mêmes tout, ils ont influencé le processus global ça. Et c'est dans le cadre ça que l'Union européenne, lui-même en tant qu'entité, voulait, et c'est pour ça que sort un très bon document là d'ailleurs, A Decent Life for All, que m'encourage à regarder, côté eux-mêmes, ils ont une vision de qui ça pour inclure l'un agenda post 2015. Donc, si tu veux, c'est un effort, combiné de toute structure ça pour influencer le document final. Mais il n'y a pas de doute que le document final, ça, c'est les États membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pourra chiter ensemble, qui pourra le voter, qui pourra le définir, qui ça gagne l'agenda ça. Et il y a des différences assez marquées que je vais attirer attention sur ça. Là, par exemple, pour Mbola Kaino, latino-américain, il y a des langages bien spécifiques qu'ils voulaient. Ils voulaient, ouais, par exemple, et contrôle sur production et consommation. Parce que je crois qu'une des plus grosses menaces qui gagne dans le développement durable, c'est les questions environnementales. Ce qu'on peut gagner, c'est qu'à partir de 2030, on peut gagner des centaines de millions de monde qui ont une économie, qui ont un potentiel d'achat plus élevé. Donc, moun sa évidemment, yo pa consommer énergie, yo pa manger viande, yo pa manger, yo pa consommation va augmenter. Et au moment actuel, une étude qui montre que au niveau actuel de consommation, nous n'a consommé presque l'équivalent de 3 mondes. Donc toute question c'est comment est-ce que n'a pas fait pour augmenter richesse chaque individu ça a donc pour besoin de consommer plus et comment a fait consommer plus sans yo pas des bon effet délétère ou un effet négatif sur l'environnement. Donc ces discussions ça a fait là Kounia pour nous lier à la fois post 2015 qui c'est agenda qui a remplacé les objectifs du millénaire mais tout post Rio plus 20 parce qu'on a changé au Brésil en Rio plus 20 des grands paquets de discussions sur ça le développement durable et ces 3 piliers et c'est tous les 2 mouvements ça qui a concilié là Kounia pour arriver à un agenda final. L'Europe là loin nous Belgique loin journée européenne de développement on parlait de Haïti qui par exemple importance Haïti gagne pour suivre journée européenne de développement dans qui sens vous pensez
discussion qu'a fait pendant deux jours ça est capable gain influence ou bien capable impliquer Haïti. La influence capitale est de plusieurs manières. La première chose c'est que discussion ça qu'a fait au niveau mondial pour le définir comment partenaire comporter. L'homme te gagne objectif du millénaire par exemple, nous te gagne 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé, le Haïti fait programme de développement ni bailleur avec partenaire yo dit ah m'pa wè la santé là, m'pa wè l'éducation là, formeté l'en programme pour me supporter. Alors m'a rappelé nous que moun ka parlé à c'est Gary Kone, moun que et coulève cette traite là plus des traites lio et dit que c'est yo qui choisit comme alors monsieur c'est ancien premier ministre Soumaté, il va traiter Pabli, c'est même groupe nèg sa yo qui était courir derrière. Pabli, non, même groupe nèg sa qui était courir derrière, qui était pété courir derrière, dit toute qualité bagarre de li, mais c'est même yo même là encore qui fait choix de li en 2024. Ou ka comprendre ça, ça veut dire oui, c'est même yo même là, yo dou qui yo fait choix de li. Yo croit que c'est nouvelle tête là, c'est plus bon tête là, c'est qui plus propre là, c'est nèg l'homme de consensus là, les tel bagaille. Yo même encore qui était dévoil pété courir derrière li. En 2011, 2000, ou 2012, si m'a trompé moins, mais yo même qui te coude elle, mais yo même qui vient révaler même ça ou te vomir. En bon créole. Sorry. Ok? On avance. Et pour nous comprendre, oui. Moi même, gars, y'a garçon, moi même pas qu'on non. Ni en pète, ni en peinture. Pas qu'on y a un bal mal, mal d'idéo. Et m'a qu'on ça tout. D'accord? Ça veut dire que m'a qu'on y a un mal de m'bal d'idéo. M'a du bode, l'éclair, ou c'est yon visage à clair qui montrait que haïtien, qui remet Haïti dans diaspora yo, c'est pas yo vle. Mais c'est haïtien qui au service de sa yo service là, c'est lui que me pense que yo wè comme profil qui capable vinn dirigeant dans pays d'Haïti. Ou nan doua ou pour travail. D'ailleurs, yo di ou di la clé, ou non ou gon job qui extrêmement important pour au niveau Nations Unies. Eh ben pour capable démissionner, faut qu'ou et prend décision pour que alors faut qu'il au fin nommé au comme premier ministre pays d'Haïti d'abord et puis après on fin que lettre nomination dans toute bagarre était sorti et puis à partir de maintenant on va démissionner et pour prendre direction pays d'Haïti. Mais comment pays a fonctionné ou qui côté ou yé Washington ou bien New York et puis c'est lettre nomination arrêté ou qui vient sorti gros gorge qui te gros, moi me connais on ça que pas j'aime parler mal de ou moun ki tap jou ou manko de gars tout kaite bagay di de bay mal de ou sou mateli yo jou ou tête calé équipe mateli sans koutcha volo ko pe ko pe caribe ou gimanda de yo même moun ki tap di tout bagay mal de ou yo c'est même yo même nan jodi a ki wè ki ou se pi belle tête là avait dit ki ça k passé m pa pral parler parole nèg pou nèg mais ça m'a dit nou ki important c'est nèg yo pa bon et pa moins pou ou pa bon alors pour moi et pa ou pa bon et c'est monsieur yo qui c'est des assassins. Des criminels qui étaient là, bafouent peuple, bafouent peuple menton pendant toute vie, yo, pendant toute existence sous un politique, bafouent peuple menton et puis fait exactement ça qui est contraire avec ça que y aura bafouent peuple comme discours. Gary Kone, moi-même, ou fait sauver, jongler leur pipito. Sauf que ça qui est important pour nous, nous-mêmes, nous n'avons qu'à révolution. Révolution pour libération pays d'Haïti. L'ICA fait tout d'un coup, mais nous, leader nous, pas décidé de prendre ZAM pour te touiller vagabond, pour te prendre pouvoir. Mais il a décidé de passer dans la façon dont on avance là. Non, tête ensemble que nous mettons, il facilite nous, ouais, criminels, dans qui niveau pas le pays, et il force les criminels, tout, mettre tête ensemble pour constituer une véritable force pour être capable d'essayer de bloquer nous. Mais peuple, là, il est devant nous. Next, il y a des bagailles. Il n'y a pas jamais qu'à élire dans le pays encore. Sauf, il a décidé de faire élection pour nommer le monde. Et il est clair tout. Si que Gonti groupe blanc ou bien des graines blancs qui travaillent pour des oligarques dans le pays d'Haïti, ou qui travaillent avec des oligarques dans le pays d'Haïti, si yon besoin c'est moun pa yon qui pour président, qui pour sénateur, qui pour député, magistrat, ministre, que yon font façon, tout dit que Haïti c'est tel état pour yon, que yon nomme moun yon, j'en yon vle, lè yon pipito, mais nous pas besoin de faire élection. Avec qui si yon a vu une parole d'élection, et peuple pral vote, m'pral faire campagne, m'pral dit vote Martin Moïse, et la président. Comme si ou pral dit m'li pas président, qu'on fout boule nous tout net en pays d'Haïti. M'pral dit vote tel, l'ap sénateur, ou pral dit m'pa, ou pral dit, on l'autre pire baye? Et ça que m'a dit nos grandes bagailles. Depuis que moun ki trop ka États-Unis, ou ki trop l'argent États-Unis, ou ki trop l'argent Canada, ou ki trop l'argent la France, oligarque la gon stratégie pour le faire quoi ça ou pour faire tourner sous toute décision qu'on capable prendre pour peuple. Toute fortune à l'étranger, tout avoir à l'étranger, madame ou belle petite ou à l'étranger, et vous pensez qu'on prend la bataille contre des nèg kap fait politique,
qui a fait ingérence dans la politique hier depuis plus passé 30 années. Si groupe n'est qui supporte les lèvres à l'Assemblée d'Haïti, qui travaille avec des oligarques corrompus en Haïti, yon là depuis environ 30 années, yon présent, activement, ok? Ça veut dire que yon tout fait, oui. C'est yon même qui là, et yon présent, et yon influent dans la politique États-Unis, la France Canada. Ah, ou pas la fou idée. Moi-même, pas de bataille contre yon parce que je pas de bataille contre yon, et c'est pas yon qui intéresse. Parce que même moun sa yon tout, yon parle en Dominicani, mais yon pas parle, j'ai fait en Haïti. Ça veut dire que ça, en Dominicani, yon autorité. Ok? En Dominicani, yon dirigeant, yon des patriotes comme dirigeant. De fait, yon gère comporté yon, et l'autre pays yon connaît que, naturellement, qui qualité politique que yon doit faire envers pays yon, envers la Dominicani. C'est le premier problème, non, c'est nous-mêmes en tant que Haïtiens. Automatiquement, nous finissons le problème haïtien, le ça, on va camper pour nous questionner, ou bien pour nous dire blanc, mais ça que nous voulons, mais ça que nous bavons. Mais ça que nous remet, mais ça que nous pas remet. Ça veut dire que le ça, on va le vers visage blanc pour connaître s'il dit, s'il date. Au moins, même bagaille pour me dire, non? Même au fou, je ne sais pas si clair, papa. On avance. Fois ça, ça paye quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple, l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout, l'agenda global là. Parce que c'est ça qui peut garantir que différents partenaires. Dans nos belles bagailles, nous avons parlé de après 2010. Vous voulez que après 10 ans pour Haïtien ait Internet, ait accès à Internet. C'est vrai que normal, la Dominicanie, tout Dominicain ait accès à Internet. Moi-même, en Dominicani, c'est pi meilleur et pi bon Internet là que m'te gagné. Internet que m'te gagné en Dominicani, il était pi bon que ça m'gagne aux États-Unis là. On a fait une idée. Gagne l'autre calogne. États-Unis, qui pi bon Internet là, oui, mais Internet m'a fonctionné là. Que m'paye un paquet de cob. En Dominicani, il était pi bon Internet là. Et c'est Internet militaire dominicain fonctionne à ce que m'te gagné. Parce que c'est lui pour gagner pour faire des bagailles que vous besoin dans les médias en ligne. Surtout dans les affaires Facebook, YouTube. Ou besoin bon j'ai internet là. En Dominicani, c'est internet ça m'gagne. OK? Pour Dominique pas payer internet ça parce que c'est le plus cher tout. En Dominique ba la trop de ralenti en haut, il va là dedans. Eh, mon chodine là, il va payer go cop. Et ben, gars il connaît depuis qu'il est petit ba ça. Mais ça qui plus passer 13 ans oui. Qui accès à Haïtien, qui accès à internet. Ou pas qu'a accès à internet parce que gagne Digicel, gagne Caricom, yo pas décidé pour ba internet en pays là. Dominicani ba internet là. Ou même ou qui pour acheter internet ou pas baoul. Parce que vous pas voulez haïtien qui a accès à internet. Vous voulez faire pays? On avance. Yo effectivement supporté nous dans le sens que nous voulons aller. Ce sont premier facteur qui est très important. Mais deuxième facteur qui est très important dans la discussion, ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser l'énergie pao. Comment ou même ou pour mettre en place processus sport. Donc par exemple, présidentiel Ifla Ali même, la KLI, il y a un problème de ressources naturelles. Il y a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que on paquet de coffres fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, vous voulez assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour vous incluent tout dans l'agenda global. Là. Que les pays développés ont accepté de mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on n'a pas parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça à pays africain recevoir en assistance externe. Donc, vous voulez assurer que les éléments ça incluent l'agenda à tout. Donc, fort là, premièrement, pour vous, ça, l'autre, vous voulez mettre qui affecte vous. Le, par exemple, il y a parlé de ça, les green, d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut l'agenda commun. Donc, c'est une discussion qui est importante. Et vous avez raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça, ouais, d'ailleurs, le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, quand l'homme des résidents coordonnateurs, qui vini nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout. C'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne faisons pas partie de discussion, nous avons subi résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti est pratiquement absent dans l'activité comme ça, alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question. Et objectif millénaire là, Haïti c'est un rare pays, sinon l'unique qui n'a pas atteint rien dans l'objectif, 8 objectifs qui étaient fixés. Dans la région. C'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le taffé sous objectif du millénaire. Yo. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous comment un prochain cadre. Mais ma rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, dans la santé, dans l'équité de genre. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. La question éducation, Haïti, c'est un grand pays avec ce niveau de revenu qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps.
Et nous, en tout cas, Haïti fait peut-être pour grand pile en question de réduction du sida. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui fait, mais il y a beaucoup plus qui a à faire. Mais dans le cadre de définition nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés que Haïti voulait ouais dans le portefeuille là. Et en ce sens, nous avons raison, il faut que nous présents. Ceci dit, il y a plusieurs forums côté discussion ça a fait. Et ici, là, je dis, là, c'est seulement une forum. Donc, je suis que, par exemple, au niveau des Nations Unies, New York, où il y a un ambassadeur avec équipe technique. Et permettez-moi de dire ça tout. Et c'est une bagaille pour diaspora haïtienne, tout profiter, organiser. Nous avons besoin qu'on n'ait pas posé question. Pas qu'on élection pour faire en Haïti pour que diaspora haïtienne n'a pas qu'à voter de Kazek à Zek à la présidence. S'il n'a pas qu'à consacrer, pas qu'à élection. Je te dis clair. Si. En Haïti, tenez bien, ça m'a dit là, à partir de Gary Konito. C'est clair. Faut nous pas de doute sur ça. Donc, l'homme n'a pas dans la diaspora, on va parler, faut qu'on ait qui position qui sont vle. Moi-même, vle. Quelle que soit l'élection qui a fait en Haïti, ya. Si que diaspora haïtienne, quel que soit côté dans le monde, haïtien, quel que soit passeport, si que le pas qu'à voter, pas qu'à candidat, l'élection va bien faite dans le pays. Ya. Nous clair sur ça. Parce que seul moyen pour payer sa sortie, c'est avec petit qui de yo qui remène pour tout bon qui compétent tant qu'ou Gary Koni. Oui, mais ce sont nous qui a assez de compétences. Mais est-ce que le bras font bagaille pour Haïti? Non, non sec ça le rentre ya, nan mitan volant le rentre yo et façon le rentre ya pas gen résultat qu'on capoter pour payer ça pour peuple ça. Li clair, sous ta tante fait le tout ou pas fait 3 jours, c'est soit autour yo même Jovenel ou bien yo fout disparaître ou j'ai couru dehors 2011 là parce que pas besoin ça. Je sais pas d'être éclairé, viens parler de technologie ou ba internet, de soit parler d'internet. T'as la bouche chapée ou tu pourras limer centrale électrique que Jovenel Moïse de commencer yo. De vous dire pour un, pour deux ou pas carité. Il est clair, ou après d'être dévoré ou et après de code bloc te support là. Y a vous aller. Ambassade là qui certainement engagé dans discussion yo et à mon avis a représenté intérêt et vision pays en cadre discussion ça. Si pas une autre question premier monsieur Koni sur JEDO, en tant qu'ancien chef de gouvernement, qui regard aujourd'hui a porté sur Haïti? Tu sais, nous sommes fait presque 14 mois en Afrique, mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec technologie qu'on gagne, en forme de ça, nous donnons tout là régulièrement sur Internet et nous lis régulièrement. Et tout journal sur Internet. Donc, je suis la situation de près et m'avoue que très souvent, je me partage, je suis très inquiet. Je suis très inquiet et très soucieux que nous n'avons pas perdu le peu d'acquis que nous gommons pour lui au cours des dernières années. Je suis très inquiet tout parce que l'homme a des problèmes de fond, qui c'est l'extrême pauvreté, pourquoi est vraiment aucune velléité pour ça changer. Le map gade Haïti, je me toujours songé qu'en 1960, nous avons le même niveau de revenu que la République dominicaine, le même niveau de revenu que le Ghana. Je dis à pays, ça a eu 4-5 fois le niveau de revenu d'Haïti. Donc en fait, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur à l'école, pas qu'à vivre de revenus comme professeur à l'école. Un chauffeur taxi. Attendez, oui. Là maintenant, nous sommes en 2011 pour vivre 2012. Et n'a pas aidé, un professeur à l'école, pas qu'à vivre avec revenu. Attendez bien, oui. Avec soit les 2011, 13 ans après Kotoé. Professeur l'école pas quand même mal fait coup même voir pour ta penser à payer Haïti même si au travail ou pas payer voir pour pas de travail même. OK, toute bagaille net crasé Haïti plate émission nèg te pété cou à toute bouline des messieurs et ça cause m'a dit ou payer ça premier cancer là premier situation difficile non premier responsable toute calamité non les l'homme avec femme qui a fait politique en dedans pays. Tout autant que moun sa existe, ou pas chambre en Haïti, moun ka vive, ça va exister. Sous quelque soit forme nan, ou pas capable bouger avec qualité moun sa yo. OK? Ou pas capable faire rien avec yo et faut que c'est élimination totale capitale pour qu'une fait avec qualité moun sa yo. Haïti pas capable continuer avec ravette sa yo, avec pourriti sa yo. Avec criminels ça yo. Faut que nous fait tout ça que nous capable pour que nous démanteler coalition gang volé vicieux corrompu criminels ça yo dans politique là. C'est eux même qui problème là. En vérité bon Dieu c'est eux problème là. On garantit nous ça. Ouais même oligarque corrompu criminel assassin de Kouboulos, en vérité c'est pas jeune politicien criminel gang sale yo. Il va jamais catouer Jovenel pour compte lui. Même dans rêve. C'est avec politicien pour prendre décision pour détruire là. Ou j'aimerais que ça dans le caoutchouc.
ou je moi nan nan se manifestation case brisé non moi pour yo recevoir criminel ça dans Pétionville ba ou l'argent fait al bouler fait al craser c'est politicien en premier qui problème nan moi même gari koni sou konnen moi pral parler mal de ou n'aime pas gagne mal m'pral dire de ou m'kon nou vinn là ou vinn avec une équipe n'a boté l'argent n'a fait l'argent et puis par la suite n'a viré donne nous pété courir tant que la tortue. Elles sont la tortue dès qu'ils viennent là. Si vous avez un chef, c'est au cap chef en Haïti. Ces mêmes gens, cette traite là, cette traite plus deux traites, c'est un coup là, c'est un coup. Et comment elle est? Comment elle est, professeur Harry, ancien juge, cour de cassation, hein? Boniface Alexandre. Ok? C'est un coup professeur Alexandre. C'est comme ça que c'est comme ça le doit lier. Coup cette traite là, pour aller résumer en Alexandre, et puis, ou même, ou gère la tortue. OK? Ou gère la tortue, gros bouton ton chef, c'est eux même qui parlent dans la Sous-Unis parce que c'est eux qui parlent tout, c'est eux même qui tellent, eux qui éclairent tout, c'est eux qui plus ou moins qui parlent avec, eux compte monde tout, mais naturellement pour qui résultat zéro. OK? Mais est-ce que Gary Koni, ou pas marcher sur Fatra? Dis-moi non. Est-ce qu'on marcher côté sale et marcher sur la boue de l'eau senti, d'eau couille et tout rego? Est-ce qu'on va marcher sur lit? Et ou pas qu'a fait ou bien ou pas préparer? Vous pensez franchement depuis que vous arrivez à Haïti, vous salopez tout. Mais je ne sais pas comment je suis chef dans le pays. Pour le pays, je suis propre. Je suis chef. Si je ne sais pas mettre tout le marché sale, je suis payé dans le courant avec pour sentir dans le pays. Dans le pays, je suis propre. Mais pour mettre tout le monde, pour ne pas descendre à la terre, pour s'y absalmer, je suis propre. Non, mon chef, je suis propre de la ville. La ville est propre. Gardez qu'on est propre de la ville, Port-au-Prince. Je ne suis même pas intéressé dans tout sens. Sauf que je connais les gens qui vont le voler. Tout est comme qui va le faire. Comme qui va le faire, comme qui va le faire. Et grand groupe toujours là. Insécurité gang n'a toujours là parce que nous pas trouver gang vrai. OK, n'a trouver deux trois gang qui étaient déranger nous et nous senti qui représentait une menace pour nous ta connecter au barbecue nous qui gon capacité pour fédérer négamé n'a trouver li nous ca peut-être trouver Jeff Tankana parce que tout américain nous ca peut-être trouver éviter l'homme parce que la kidnappé américain nous ca trouver et l'homme sans jour parce que le kidnappé américain mais après ça les ISO til appli Bougoy Kilik les joueurs de Nenel Kassi mais justement monsieur Sayo a prêté là même. Pourquoi nous pas tout et tout? On petit machin, grand pile problème pour joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond, là, malheureusement, pour moi, il y a beaucoup d'attaques. Les problèmes d'environnement, 1940, nous avons la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous, à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine, qui a 40% par là. Et c'est des problèmes qui parlent de répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous, importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, pour gagner des problèmes de fond qui demandent une solution consensuel, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour mon quoi qu'à partir du gouvernement, à partir du palais national ou du bureau de la primature, capable de résoudre le problème Haïti. Le problème là, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat côté chaque monde arrive à contribuer pour résoudre le problème de fond. Moi, c'est important tout que pour expliquer Haïti que développement et haïtien que problème développement, il prend temps pour résoudre. Et au fur et à mesure, il faut expliquer la population, mais il faut faire, mais comment on n'a pas avancé. Il faut pas faire des promesses démesurées. Son peuple qui fait preuve d'un pile patience, mais il faut qu'on explique le soit fait, comment faire pour le comprendre et pour le participer. Donc en gros, l'homme garde, par exemple, je suis en Éthiopie, je suis retourné en Éthiopie le 10, je regarde le progrès Éthiopie fait en 10 ans. Son pays qui vraiment pour une économie émergente dans les 15-20 prochaines années, l'on va regarder pour l'effort que vous faites en termes de mettre en place institutions, mettre en place structures. L'on va regarder pour l'effort qu'a fait un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous, là, Niger, côté moi-même, il y a seulement 4 ans, comment vous faites pour vous-même y arriver à partir du programme présidentiel, les trois zones du Niger, le Niger nourrit le Niger, comment y arriver à mettre en place un programme cohérent pour vous faire pays avancer. Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment prendre direction de développement et nous pouvons bailler le son de développement que nous croyons que nous cabaillons le monde, même j'en ai bailler le son en 1804. D'après vous-même. Et Gary Koni, ben moi d'un bagaille. Et parce que des fois, parmi jury, si vous êtes peut-être capable de goûter graisse, et public là va dire, monsieur, alors si vous avez supporté là-dedans, et dans sa map d'y ou du moins si vous partagez l'opinion, ça tout. Et Gary Koni, depuis au WEO, mais ça tout le monde dit. Ou c'est joué blanc. Qui te dit ça? Tout le monde dit que ou c'est joué blanc. Ça veut dire que c'est blanc qui vaut. Et j'en le fait là tout le monde senti que c'est blanc. Mais na, en Haïti, on gère que ça toujours fait. Et bien, on a senti que gon tendance, gon monde qui est international là, et même j'en te dit, on haïtien que personne ne connaît, et en Haïti, depuis le
grandi dans la diaspora et aller l'école dans la diaspora. N'importe quel qui a décidé de faire photo dans Washington avec 3-4 personnes qui costumé, valise dans le dos, ou bien tout qui a sécurité bon côté, il fait photo avec eux, et puis il a regardé la campagne, il poste photo ça, il dit moi c'est haïtien, je saute dans la rencontre dans la Maison Blanche avec deux représentants, président Biden, président nous pas de Guetta Wall ou bien de Guetta Wall, tout ça, nous partageons une série de bagages du pays d'Haïti, m'expliquer le problème d'Haïti, et puis s'entendre à tout, radio et télévision dans la coupe pays d'Haïti, tout journaliste traditionnel bec fait, ap Guetta, mettez focus à son exa. Oligarque corrompu a Guetta préparé bout de sac l'argent pour élément ça. La prête qui était en ligne pour le riche là. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que lié, faut que vous contrôlez lui. C'est pour tout bon. Mais n'est-ce qu'il a utilisé ça seulement. Même si là vous venez dans ce bluff, il a utilisé, il a fait le chef dans le boule figo comme peuple. Ok? Il a fait le chef dans le boule figo comme peuple. Mais m'a dit nous, son autre bagaille. Et ça m'a dit, Gary Conny, si monsieur, et t'es même j'ai avec, par exemple, Madame Evelyne Louis, et Nagasi Mamou, un monde qui est patriote, comme de Francisco, comme ça, Mabjolan, et Madame Ariana, comme ça, Mabjolan, et toute famille, amis, plateforme, depuis Boston, Pasteur Yo, et Pasteur Franklin, comprenez, Pasteur Franklin, depuis Boston, et qui est des patriotes, Pasteur Mallory, comprenez, si Gary Conny était comme ça, Gary Conny était privé dans le primature comme premier ministre, ok? Et puis il a fait un démantèlement total de la classe politique traditionnelle haïtienne, mais sans qu'on pas battre avec eux physiquement ou bien directement, c'est à travers l'action qu'on a posé au niveau gouvernement. Parce que, pas oublier, ministre finance là, où t'as, faut t'as exigé, c'est où pour mettre elle, pour leur besoin de débloquer l'argent, pour débloquer l'argent. Et pour eux, ce qu'on a fait, où t'as débarqué, dans le carrefour, où t'as dit que central ça, c'est pas l'argent Jovenel, c'est pas l'argent Martin Moïse, c'est pas l'argent famille Jovenel, mais c'est comme que Jovenel Moïse prêtait comme chef d'État dans mes pays Taïwan. Sous nous l'État, c'est pas ici qu'a payé pour te acheter central ça qui est son central général électrique qui peut allumer par le président à 18 heures courant par jour qui peut passer par 24 heures de temps courant par jour. Ou t'as paraître dans le cafou, t'as dit mon cafou, supportez-nous, nous pouvons allumer central ça pour nous faire le courant. Ou t'as écrasé classe politique la net, oui, avec tout patron, oui. Ou débarquer ce phénomène cabahitien. Ou dit central ça, il fini, tout poté là. Moi, besoin de monter au limé pour séconiser toute ville là, tout poté électrique, tout baïnette, tout filio, tout cabio. Ou limé, ville cabahitien. 24 heures sur 24. Ou alors central électrique, dans Fort Liberté, département Nord-Est. Ou dit que ça, c'est pas l'agent Jovenel. C'est pas l'agent maman Jovenel, mais c'est volonté, monsieur, de gagner pour te faire bagaille pour pays. Nous pas qu'à quitter le gaspiller. On nous fait bagaille. Gary Conny, sous bien entendu ça, yo. Même numéro de téléphone, c'est 561-542-1547. Ça, yo, de pouvoir décider de faire, yo. En vérité, bon Dieu, c'est seul monde, cap campé, cap dit, monsieur, Kebela. Kebela. Oui. Oh, yo, c'est Jovenel, yo. Oh! Ou qu'on peut dire, mais faut que nous mettons une commission de vérité sous pied pour que nous enquêtions, pour que des juges sérieux qui mènent enquête sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. C'est que mon tapis, Gary Conny. Pas que mon qui t'a pris mon passé. Oui, garçon. Pas que mon qui t'a pris mon passé, garçon. C'est que mon tapis. On faut tirer des messieurs toujours. Il semble. Franchement, sauf si t'as coquin, si le coquin mec dame l'audacieux, connaissez, il est comme un maté, il pas prendre de bail comme ça. Mais n'importe quand il faut pour payer, c'est prendre même projet Jovenel Moïse de commencer, prendre l'argent de l'État pour te faire, yo, comme continuer, yo. Continuer, yo. Pas venir faire l'autre bagaille. Faut que continuité. Ou vivre dans la diaspora, lever dans la diaspora. Quoi, monsieur, madame, nous coûte, messieurs. Tout éliminer volo là, yo. Tout éliminer classe politique là, net ou connaît, yo. Nous sommes à tout, nouvelle tête rentrée. Diaspora, c'est une entrée. Ouais, monsieur. Bon, monsieur, doit bailler possibilité pour que diaspora, c'est une imposer dans sa affaire politique pays, ya. Gary Conny. Moi-même, ouais, c'est le premier monde qui t'a dit, m'a supporté au clair. C'est le premier monde qui t'a dit, j'espère, est-ce que nous avons supporté Gary Conny? Et m'a demandé pour qu'on fasse une interview publique. Ok? Pour nous parler public dans l'émission. M'a demandé, je pardon, mon cher. Ou t'as montré que vous pouvez mettre la commission sous pied pour nous enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse? Ou montrer que vous appelez mes centrales électriques, cette phénomène cap haïtien? Ou appelez mes centrales électriques Cafoulan? Ou appelez mes centrales électriques Jérémy Gredens? Ou après remettre, ou après retravailler sous centre germoplasio pour nous gagner pile pied bois, pour nous reboiser pays. Oh, Gary Conny, c'est que mon tapis, garçon. C'est que mon tapis. C'est que, ma sami, on quitte M. Palais toujours pour nous voir qui est-ce qu'il y a. C'est qui bon problème, non? Il y a quelque part quand même. Tu sais, le problème là, c'est que cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement absolu du palais national de la primature. Changement en saut dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément dans la société. Il saute dans l'unité. Ça veut dire que le secteur privé a joué un rôle. Il
faut qu'il y ait suffisamment de confiance dans l'État pour jouer rôle. Il faut que le secteur social joue rôle. Faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouent rôle. Donc, il faut que son effort collectif, pas rien qu'à tomber d'en haut et puis suffisamment et puis subitement on va pouvoir tout bailler résoudre. Je crois que ça son premier et incompréhension rien. Deuxième bailler c'est que nous croyons tout que problème n'est pas seulement problème ici. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là gain part de responsabilité dans l'incapacité nous pour avancer. Évidemment responsabilité avancer c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi particulièrement après le tremblement de terre. Ils ont fait des promesses que pas qu'un nécessairement. Ils ont pris un engagement qui n'est pas cohérent du tout. Ils n'ont pas permettre que le gouvernement et l'État haïtien.